Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message intemporel de ce mardi 30 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, la gaieté et la liberté. Les gens gais sont de grands sages. Ils ne laissent pas les événements extérieurs avoir de prise sur eux. Ils sont libres. Eh bien voilà, belle encore philosophie pour ce jour. Aujourd'hui, j'ai pigé votre vérité. Cette carte, eh bien, a pour objectif de vous éveiller à vous-même. On vous invite à cesser d'attendre l'approbation des autres, comme s'ils détenaient la vérité. Ne vous sous-estimez pas. C'est important d'avoir confiance en vous. Vous avez votre propre vérité et vos croyances, ressources, vous permettent de vivre votre liberté. Alors, cessez de donner plus de valeur à l'opinion de l'autre. Il a sa vérité, oui, mais vous, vous avez la vôtre. Il y a une multitude de limites dans votre vie. Et vous êtes la personne qui a érigé ces limites. Vous seul, personne d'autre. Vous ne vous donnez pas le droit de vivre. Pourquoi ? Vous ne vous donnez pas le droit d'exister comme vous le souhaitez. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes emprisonné par une situation, par quelqu'un ? Vous ne vous donnez pas le droit au bonheur. Vous ne vous donnez pas le droit au succès. Pourquoi ? Vous ne vous donnez pas le droit à l'amour ou à l'abondance financière. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ? Vous avez posé des limites. Ces limites. Eh bien, il est maintenant temps de les défaire. Ce sont des nœuds que vous vous êtes posés. Dénouez ces nœuds. Il est grand temps de le faire. L'antidote, eh bien, est de vous accorder le droit. Vous avez le droit d'avoir votre propre vérité. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit à l'amour. Vous avez le droit à l'abondance financière. Vous avez le droit d'exister. Personne d'autre que vous ne peut défaire ce que vous avez posé comme limite. Prenez conscience que vous avez le droit à tout, c'est-à-dire le droit à tout, ben, le droit à la joie déjà, le droit à l'amour. Vous avez le droit au bonheur, au succès. Vous avez le droit à l'argent, à l'abondance. Vous avez le droit à la santé, à l'amitié. Vous avez le droit à l'erreur. Oui, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de faire des erreurs. C'est votre apprentissage ici sur Terre. Reprenez le pouvoir de votre vie, le pouvoir vraiment en long et en large, n'est-ce pas ? Votre vérité. Reprenez-la.
et n'attendez pas des autres. Rituel de la vérité. Déterminez les domaines de votre vie dans lesquels vous vous empêchez de vivre et de rayonner pleinement et notez-les. Notez-les sur un papier et prenez conscience des limites que vous vous mettez. Pourquoi ? À cause de l'autre ? À cause des autres ? À cause du manque de confiance en vous ? Alors, inscrivez tout ce que vous aimeriez être ou faire en vous donnant le droit de. J'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit au succès, j'ai le droit de vivre, etc. Et terminez la phrase suivante. Je me donne le droit de. Voilà. Je me donne le droit de vivre. Je me donne le droit d'exister. Ainsi de suite. Reprenez le pouvoir de votre vie. Quel beau message, n'est-ce pas? Je termine avec la pensée positive, pardon. Ce message me parle parce qu'il y a eu un certain passage dans ma vie où j'étais tout ce que je viens de vous rénumérer. Ça n'a pas été facile, mais voilà, avec le travail sur soi, avec le travail que j'ai effectué sur moi, je suis arrivée à prendre le droit de. Allez, pensée positive, j'ai de la gratitude pour qui je suis et ce que j'ai. Quand j'ai de la gratitude pour ce que j'ai dans la vie, je m'ouvre au flot cosmique. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.